Ouais, ça a l'air de marcher. Bonsoir à toutes et toutes, hein. J'espère que vous allez bien. C'était pas prévu que je diffuse ce vendredi soir, j'anticipe un peu. Je vais vous raconter pourquoi. Attendez, j'essaye le temps que vous arriviez, que vous installiez confortablement. Je vais essayer de mettre de la nouvelle musique là, parce que j'ai écouté des artistes libres, il y a du bon. Il y a vraiment du bon. Que je peux dire que je visite tout ça là-dedans. Oh mon Dieu, oui, c'est merveilleux, ça marche. Ça, je peux le mettre dans la room, en fait. Ouais, j'ai oh, hein. Mais j'ai n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Pas des voix. Je vais pouvoir rajouter mon répertoire. Dis par exemple. Ah, c'est cool. Ah, Westbot qui est en forme ce soir, qui me balance boum, un pavé d'entrée de jeu. Ah, là, 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 là. Bah, ça change un peu, c'est sympa, c'est bien. Là, on découvre l'artiste Z. Je crois que c'est le... C'est superbement chanté, en plus. Ah non, mais il y a des trésors en musique libre. Ça va être un régal dans les mois à venir. Je m'en écoute un peu de temps en temps, c'est bien. Bonsoir, Olive Kitu, j'espère que tu vas bien. Tu vois, c'était pas prévu, mais je me suis dit que je suis encore en forme en fin de journée, en cette fin de semaine. Puis tiens, je vais peut-être diffuser jusqu'à 22h et quelques, histoire de faire un petit peu de rallye comme je suis pas là dimanche. Voili voilou, je dis tiens, je vais me faire plaisir. Bon, puis j'ai vraiment envie de piloter, j'ai vraiment envie de faire du rallye. Comme un fou furieux. Pouk ! Oh non, je me suis trompé d'option. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Bah bonsoir et bienvenue à Samir Karma. Samir, pardon. Samir Karma. Voilà, faut que j'apprenne à lire. Il ne va plus. Ouais, petit stream sauvage. Oh bah, je suis ravi que ça te plaise, Olive. Ah là 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 là. Alors attends, je vérifie. Alors vous voyez, l'interface a un peu changé. Et au niveau du compteur tableau mystère en rose, là, tout en haut à droite, il fait un décompte des secondes en manière négative. Parce qu'en fait, j'ai essayé de mettre à jour mon petit programme avec mes affichages LCD. Vous savez que je les aime beaucoup. J'ai fait une grosse sonnerie tout à l'heure dans ma mise à jour. C'est que j'ai sabordé mon interface. Donc j'ai tous mes trucs qui ont sauté. Je me suis retrouvé dans la mouise. Et en fait, j'ai passé... Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue! Bienvenue, bienvenue, je prends un coup. Bienvenue, bienvenue. Là, on le voit très nettement, Samir Karma. Que voulais-je dire? Que j'ai refait donc la programmation de mon interface. Du coup, j'en ai profité pour. Là, j'ai passé quasiment 2-3 heures. Là, j'ai bossé de 17h, je crois, à 20h, en gros. J'ai mis en gros, peut-être un peu moins. Ah. Bah, refaire l'interface en fait. Donc le temps de recalibrer au pixel près toutes les scènes, les 5 compteurs. Me voilà seulement. Moi, c'est pas plus mal. Puis je vais réviser mon code, enfin mon code, pas sens code de la route, mais code programmation. Parce que mon compteur rose là pour le tableau mystère fonctionnait pas. J'ai fait n'importe quoi.
Puis quand je m'y étais lancé avec enthousiasme, j'étais pas frais. J'étais intellectuellement, j'étais cuit à ce moment-là, j'en pouvais plus. Et du coup, j'avais fait de la mouise. Allez, on se lance. Pas tout bavarder, mais il faut jouer un peu aussi. Ah, ma tronche est mal éclairée. J'ai pas mis très fort. Est-ce que je peux mettre la lumière magique dans la figure? Allez, où ma lampe à mettre ma tronche dans la figure, là? Enfin, ma tronche dans la figure. Je sais plus ce que je dis. Attendez voir. Vous savez quoi? J'ai augmenté la luminosité chez moi. Bougez pas, c'est une lampe halogène. 30 secondes, ce sera plus simple. Oui, c'est Palti. Je me rééquipe. On y croit. Allez, go. Nuageux, j'ai vu. J'étais où? Ah oui, la Finlande. J'avais superbement bien débuté. Et puis, j'avais honteusement, j'avais pas enregistré parce que j'avais fait de la mise ensuite. Je m'en souviens. Alors, on repart. On repart. Et on repart. Donc avec des nouvelles musiques, voilà, je disais dans mon intro. Là on découvre l'artiste Zi. Je sais pas si c'est un groupe ou quelqu'un tout seul, je sais pas. Il y a vraiment plein de bons sons dans la musique libre. Oula. Mokipera. Merde, la luminosité de mon écran est pas la bonne. Attendez, pause. Là j'ai un réel problème. C'est vrai qu'il faut que je change la luminosité à chaque fois que je joue haut. Parce que en semaine je mets un truc faible pour pas me fusiller les yeux, j'ai pas besoin. Mais là je dois reconnaître que j'ai du mal avec la télécommande. Voilà. Là je vois bien en clair, je vois bien tout. Voilà. On y croit. Je sais plus comment on joue. En une semaine, j'ai tout oublié. Ah, ah mon dieu. Oh là, la voiture qui est partie toute seule. J'ai perdu le contrôle, là. Bah alors. Oula. Il y a des gens électriques ou de téléphone, je sais pas. Là, et dire que ça peut se produire en vrai, en plus, ça fait peur. Wow, la très mauvaise réception du son. Alors là, ça passe un cas d'école, en école de pilotage. L'erreur que je viens de commettre, c'est de s'élancer en évaluant mal le saut, entre la vitesse et la... Enfin, il y a plein de paramètres physiques, évidemment, et l'angle d'attaque. De la crête. Mazette, ça va faire un beau clip malgré moi. Belle gamelle. Aïe. Et puis les dégâts vont me coûter cher. Ah.
Ah, je m'étais dit en réécoutant un de mes ralentis là de rallye, il serait peut-être bon si je peux encore descendre d'un chouïa la musique du moteur. Parce qu'il faut que j'entende vraiment le pilote, ça s'arrête pas. Parfois je trouve que le moteur est un peu trop omniprésent. Je regarde à l'arrivée. Hop, 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 oh. Je les ai sentis partir et j'ai pas eu le temps de plonger la trajectoire à haute vitesse. Là, j'ai dû bien bousiller le moteur. Je me suis bien encastré dans le sapin. Aïe, 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 aïe. Voilà, l'étape prochaine, je vais la prendre capot fumé. Ouais, non, j'ai fini bon dernier là. Dommage. Comment je fais pour le son? Je sais plus. Global Sound. Alors, FX. Ah! Bah, je peux peut-être baisser de 3, dis donc. Et oh. Enfin, sur 5, je descends à 3. Peut-être mieux. Peut-être plus agréable pour vous. Alors, non mais sois pas désolé ma chère Olive, si je prends pas beaucoup, la journée fut assez chargée, mais heureusement j'ai exceptionné mon week-end. Oh, je suis ravi pour toi Olive. Ah, c'est bien. C'est cool. Ah, je suis ravi pour toi. Ah bah j'espère que le week-end ça va bien se passer pour toi, que tu vas te changer les idées et te ressourcer au plus possible. Bon, tu te souviens que moi ce week-end je profite un peu de la famille, donc je diffuserai que demain matin. En gros, je vais vous faire un 9h-13h, comme d'hab, environ. Je déborderai peut-être un petit peu si j'ai pas trop faim, on verra. Et pas le restant du week-end, hein, je profite de la famille. Donc du coup, bah, j'ai envie de dire libre à toi, après, moins libre de tes occupations. Je crois qu'Aerostar fera un, comme t'aimes bien le suivre, fera un direct dimanche. Je sais plus ce qu'il a dit, il est un peu éprouvé en ce moment, entre le mal de dos et la fatigue générale. Faut qu'on se le préserve notre Aerostar là. Ah là 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 là. Oui, c'est chanté. Si vous écoutez bien, dis. Je me taire un peu. C'est très beau.
Bonsoir Tinsen. Ah bah tiens, c'est le deuxième gros accident de l'étape où je me suis planté dans l'arbre. Et t'as loupé un super tonneau où j'ai très mal négocié un saut. Mais l'artiste qu'on écoute là, elle chante vachement bien. Là, ce qu'on venait d'entendre, c'était digne d'un générique de James Bond, moi je trouve. C'est superbe. C'est pour ça que j'ai baissé le son du moteur. Tout un phare qui a éclaté. Pas cool. Pretty flowers to make her voice clear, and she'll never sing. Putain, j'étais premier, je passe 16e. Oh la cata! Je crois que c'est une étape de nuit en plus. Je vais avoir que les phares, la lumière d'un côté. Oh, oh ça va, heureusement qu'il y a la rampe. Two, 100, 2, 2, 2, 100,
Je vais m'arrêter, je pense, un peu avant 22h30. Parce que, par rapport à mon rythme habituel de BD, je vais m'arrêter entre 22h et 22h30. En tout à péter, mon direct va durer 2 heures. Mais c'était pas prévu, et puis ça me fait du bien, je me sentais en forme. J'ai besoin de me défouler. Dernier, mais dans un chrono correct. Mes derniers. Vous pouvez être certain que d'ici 2 heures, j'aurai arrêté. À 2h38, j'aurais fait un relic change, je sais pas qui. Demain, je pensais même plus au tableau mystère, tu vois. Mais non, je le ferai demain, Tulsen. Demain, si tu es quasiment certain de ne pas le louper, viens entre midi et 13h, Tulsen. Bonsoir, Elsam 6. Oui, c'est vrai que mon compteur rose, là, qui est à la seconde, en ondes négatives, ce que j'expliquais à ma prise d'antenne, c'est que j'essaie de mettre à jour cet après-midi, de reprogrammer là, et ça veut rien dire là, forcément. Mais vous n'avez pas l'info. Mais non, le tableau mystère, je le ferai demain entre midi et 13h. Ah merde, pardon, j'avais pas vu que c'était la fin de l'étape. Bref. Donc, pour que l'erreur soit rapide à corriger. Avec un peu de chance, je la corrigerai avant de reprendre l'antenne demain matin, on verra. Wouh, Tiborne. Mon kipé là.
Il y en a du monde au départ. Oh mon dieu, tout ce public. Message de FunFan1992, bonsoir et bienvenue tout le monde. Bonsoir FunFan. Oui, merci de vous avoir rejoint parce que tu vois, c'était pas prévu. J'étais à peu près en forme en cette fin de journée, puis j'avais envie de me défouler. Tiens, on va se faire deux petites heures de direct à l'arrache. Dernier. Wouhou. C'est plaisir.
3, 2, 1, go. Non. Je diffuserai que demain en matinée. Demain, je diffuse de 9h à 13h environ. L'après-midi, je serai pas là. Non, il ne pourra pas t'expliquer, tu es une scène. Mais c'est moi qui ai, je suis en train de mettre à jour en fait mon logiciel avec mes compteurs. Et lui, c'est pas grave, t'en fais pas, t'es fan. Il veut rien dire le compteur rose. En fait, là, t'as un compteur de nombre de secondes depuis que j'ai lancé l'application. Même pas mon direct, hein. Ça correspond depuis que j'ai lancé l'application. Il compte toutes les secondes, mais c'est en compte à rebours, tu vois, c'est un moins, c'est un nombre négatif. Mais ça veut rien dire, là. C'est... Je me suis pas acharné sur l'affichage là pour le moment. Je programmerai ça plus tard. Non, là, j'ai recommencé mon interface parce que j'ai fait une fausse manip, justement en voulant mettre à jour le logiciel. Et j'ai bêtement effacé, détruit toute mon interface tout à l'heure, vers 17h30. Et bah du coup j'ai recommencé à tout programmer l'interface elle-même, c'est-à-dire les éléments graphiques si vous voulez. Heureusement le code, les lignes de programmation, elles étaient intactes, elles étaient là, mais j'avais plus d'interface. Donc je me suis coltiné ça à la va-vite pendant 2-3 heures. Ce qui compte, c'est vos réponses avec la commande pour proposer des jeux. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait la pub de cette commande-là, Tunsen, tu as raison de me le rappeler. C'est les jeux à faire, donc c'est point d'exclamation JAF, la diminutif de jeux à faire, et vous rajoutez les noms de jeux que vous aimeriez vous suggérer faire plus tard. Bonsoir Cyber Jojo, ça fait un petit moment, j'espère que tu vas bien. Je parle de l'ATM. Ah, du tableau mystère. Message de FunFan 1992. Laisse-la comme cas. Dans un an, tu nous streameras qu'un compteur de chiffres. Oui, c'est un style. Sauf qu'il faudra quand même que chaque affichage ait une signification. Mais on voit que c'est en développement. Voilà, là, je suis à 2000 secondes. Bon. Mais ça aura plus de sens plus tard. Vous en faites pas. Voilà, très bon exemple de Twinsen avec le démineur Windows, voilà, pour me suggérer des jeux à faire. Je sais que je me souviens de tête que tu veux que je fasse fire Twinsen. Ça viendra. Comment ça 2011, waouh. Ah oui, au niveau du compteur, oui, on a eu 2 millions de secondes. Ouais. Alors ça va très bien, nous dit Cyber Chojo, ça fait plaisir à lire déjà. Je viens de commencer mon nouveau boulot depuis un mois. Oh, félicitations. On peut faire notre indiscret. On peut savoir c'est quel poste tu co-occupes. Oh, c'est cool. Oui, t'en fais pas, tu es une scène. T'en fais pas pour ça. Oh, bravo Cyber Jojo et merci de nous partager une bonne nouvelle comme celle-ci. Ah, c'est trop bien. C'est bien. Bah, c'est bien, tu débutes vachement bien l'année du coup. Ah, c'est cool. Oh là 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 là. Attends, j'ai genre moins un coup. C'est marrant, la voix en électronique, ça fait presque penser à GLaDOS, l'intelligence artificielle antagoniste dans Portal. Il y a un peu de ça. Ah, c'est consultant dans l'IT Admin System. J'étais enseignant en histoire géo avant et j'ai fait une reconversion professionnelle et une formation. Bravo Cyber Jojo. Mais je crois qu'on en avait parlé par le passé, l'idée de se former en informatique, etc. Punaise, oui, tu fais un sacré changement de métier. Ouh, bonsoir SDR, j'espère que tu vas bien. Oula, ça y est, le ralenti de l'étape est déjà fini. Oh mon dieu! On va passer à la suite. Voilà, avec le bilan de compétences.
Je savais pas que tu streamais ce soir. J'ai envie de te répondre, moi non plus, je savais pas que je streamais ce soir. C'est en fin de journée, je me suis dit, mince, allez, je suis en forme. Et puis, comme je suis pas là le restant du week-end, allez, autant que je me lance ce soir. Et puis, je vais faire deux petites heures, quoi. Mais ce que je disais à Tunsen tout à l'heure, je vais rendre l'antenne entre 22h et 22h30. Je vais pas rester longtemps, hein, parce que j'ai mon rythme habituel pour dodo. Et puis, je suis censé vous retrouver demain à 9h. Ah oui, c'est une super spéciale. Ça, ça demande de la concentration, ça. Ah, mais merci à vous toutes et toutes d'être là. Wow, ça fait plaisir. Je vois bien que ça a plus de succès, hein, le soir Twitch que le matin. J'ai fait une formation de 9 mois via l'équivalent du Pôle emploi belge, engagé dès ma sortie. Bravo. Non mais c'est beau, c'est classe, c'est bien. Punaise, en 9 mois, IT, ça a dû être intensif. Vache. Ça a dû bien trancer le cerveau, cyberjouer. Bravo à toi. Dans la réalité, je serais passé par-dessus le grillage et j'aurais tout défoncé. J'ai complètement merdé mon freinage. Oh là là, je suis pas frais ce soir, moi. Mais bon, c'est pas grave. Ah, j'ai fait de la mouise. Ah mon dieu. Non, mon plateau de crudité. D'ailleurs, figure-toi que le deuxième, je l'ai mangé en semaine et pas, enfin début de semaine et pas le dimanche finalement. Je m'étais quand même lassé. Mais je l'ai fini, mais en deux fois en fait. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors attends. Joli le saut, oui, bah m'en parle pas. Merci, mais le saut de tout à l'heure, le gadin. Le gadin des marquises de la Finlande. Oh, je sens que ma webcam a senti que j'ai maltraité là. C'est dommage, il faut que je gère mieux le câble de ma webcam. Parce que sans le vouloir, je lui fous des beignes. Et elle me le rend en me faisant des instabilités. Faut que je fasse gaffe. Bref. Oh, une carte de 6 kg SDR. Sympa. Alors, oui, nous répond CyberJojo qui complète sa réponse. Oui, très intensif, mais on avait beaucoup de pratique avec du matos, serveur, routeur, etc. pour s'exercer. Vraiment content d'avoir quitté le métier d'enseignant qui ne me plaisait plus. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Mais c'est bien que tu as réussi ta conversion. Oui, alors du coup. Je sais pas quel pays suivant par contre après la Finlande. Je sais plus du tout. Je crois qu'il y a 12 pays, donc on termine le 9e, on va aborder le 10e sur 12 de la saison. Je crois, hein. Je sais même plus moi-même. On reste en Europe? Ah oui. Oh l'Allemagne! Ah là là. Ouh du du. Under the sun.
La météo semble correcte. C'est parti. Oula. Ça commence mal. 150 pour crest. Il est prêtre dans le réseau. Le rallye d'Allemagne. Mais quel idiot je fais! Oh là 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 là, je suis bon dernier. Allez hop, l'autre côté! Ça fait plaisir de foutre les panneaux partout. Allez, joueur! N'importe quoi, moi! Je sais plus, je crois que je voulais vous dire un truc spontanément. Ah oui! C'est surtout que je voulais regarder si je pouvais pas vous mettre une autre musique. Attendez. Parce que j'ai découvert pas moins de 5 artistes cette semaine, tout en bossant, dans les musiques libres. Et j'essaie de vous les faire découvrir. Ça, c'était pas mal aussi. Dr. Soul. Hop. On change direct, hein, pardon, d'ambiance. Parce que on connaissait déjà Adam Castillo. Je vais essayer de vous jouer que les nouveautés, pareil, demain matin, histoire de varier les goûts et les plaisirs.
faire joujou un peu avec les émoticônes. Musique. Oh mon dieu, Doing It Dan. Juste voir l'émoticône en ordre de Doing It Dan. Oh la merde. C'est un vétéran américain que je regarde de temps en temps, surtout pour les billes, Marble and Stream. C'est un gars adorable. Malheureusement, avec l'âge, il fatigue et il diffuse de moins en moins. Habituellement, il diffusait bah, comme moi tous les week-ends. Il est en train de passer d'un week-end sur deux à presque un week-end sur trois. C'est. Oups. Mais une crème, ce garçon. Ah, ça y est, c'est la fin de l'épreuve. La fin de l'épreuve. Borne de route allemande. Concentration. Peterburg. Grisaille. Génial, je viens de me planter. Non, j'irige pas la bagnole comme il faut. Aïe, terrible les parpaings. Ah putain, je sens que ça va me coûter cher. De piloter en fin de journée que près le matin. Ça influence vachement. Je le reconnais. Je maîtrise plus la subtilité de la gâchette de la PS2. C'est bien dommage. Popo, je l'ai pas aimé cela. Ah, je suis vraiment brouillon.
Merde. Ah. Ah, je vais en avoir des réparations. Extérieur, de pas passer à l'intérieur des bornes et de se prendre une sanction supplémentaire. Joie! Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, Bambastos. Ah, il est arrivé. Ah, la bagnole complètement explosée. Eh bien. Mais j'espère que ça va bien aussi, Bambastos. Merci de nous avoir rejoints. Waouh, on entend mon plantage dans l'arbre violent. Dès le départ de l'étape. Alors, chanceux ceux qui parviennent à compléter rapidement les pseudos de toutes. Chacun préfixé de l'arrobase, parce que depuis qu'il y a une mise à jour il y a 24 heures de Twitch, moi ça m'arrive et pour d'autres aussi. Tiens, ma webcam a sauté. Il y a la mise à jour d'il y a 24 heures de Twitch provoque de nouveaux bugs, dont le fait qu'on peut parfois ne pas pouvoir compléter les pseudos avec l'arrobase. Alors, est-ce que c'est moi qui ai tiré maladroitement sur le câble? Encore que ma pose est sympa. Je trouve qu'à la caméra, là, ma pose est plutôt sympa. Allez, hop. Oui, voilà. Il fallait que je réinterpelle la webcam. Ah non, ça tient pas. Elle est fâchée. Bah alors... Pourquoi qu'elle est fâchée? Ma webcam a fini d'être fâchée, oui. Qui me fait? Pourquoi elle me boude, ma webcam? Bizarre. Ben, je profite du ralenti pour débrancher et rebrancher. Oui, je pense.
dupe. Ah oui, mais là, là j'ai fait sauter la perche. Là. Donc du coup, je serai plus bien cadré. Bon, ça, cadrage encore, c'est pas la fin du monde. Mais... est-ce que je peux avoir un signal ou pas? Ah non, la webcam refuse de redémarrer. Oh. Bah alors. C'est bizarre ça. Minute papillon. Vais-je devoir jouer? Ouais, la provoque en faisant. Ouais, je vais t'interrompre avec l'USB. Allez.
Ah, pizza, bonne pizza à toi, Duke. Duke. Bonne pizza à toi, Twinsen, pardon. Mon cerveau a bugué. oui, c'est la soirée de Noël. C'est ça. C'est fait, merci les amis. Bah non. Voilà. Voilà où est ma logique et où je peux me la mettre. Ça marche pas, c'est pas ça. C'est pas ça. Et ça laisse aucune marge d'erreur en fait. Mais il a fini, oui. Mais oh, c'est pas possible, il va y avoir fusion de voitures là. Ça devient indécent. Message de FunFan1992. Mon problème technique est réglé, je vous dis à tout. Ah pardon, t'as eu la chic coupée par mon coucou. Oui, donc mon problème technique est réglé, je vous dis. Mission accomplie. Je savais même pas ce qu'il fallait faire. J'ai même pas lu le débrief, enfin le briefing. C'est j'ai gagné. Et c'est en plus mission. Mission accomplie. Ce jeu est. Il était champion de France de Portal, un truc dans le genre là. Et c'est trop mimi. Ok, j'avais 2 points de vie là, il m'a pas buté.